Eh bien, salut tout le monde, c'est Sifano, on se retrouve aujourd'hui sur cette superbe musique de fond. Non, ce n'est pas un montage, c'est Matt Destroy Mobile qui est juste ici et qui a une superbe musique à la radio pour ce nouvel épisode donc de Brutal Legend. J'espère que vous allez bien. Je tiens à m'excuser car ça faisait quelques jours qu'il n'y avait pas eu d'épisode. En effet, l'épisode de mercredi n'est pas sorti, ça s'explique tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, j'étais pas mal occupé IRL et... Bah voilà, je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux en expliquant que j'étais complètement crevé et que je préférais pas tourner l'épisode parce que je pensais pas qu'il serait de très bonne qualité autrement. Et voilà, je pense que vous pouvez tout à fait comprendre cela. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ce nouvel épisode et on devait retourner au camp après avoir exploré la mine, donc c'est ce que nous allons faire. Je vois que vous avez fait connaissance avec Lars et Lita. Et Ophélia? D'ailleurs, où est Ophélia au fait? Oh non. Ophélia! Oh non. Me dis pas que t'as voulu libérer les filles aussi. Non, elles sont déjà libres. Il faut qu'on l'amène au Killmaster. Lars, non! Lion White va nous chercher maintenant. Il faut se planquer. Laisse-moi passer. Tu dois l'arrêter. S'il te plaît. Tu rigoles? Je vais l'emmener en caisse, oui. Rattrape-la sur le chemin qui mène au Killmaster. Bon, on va le rattraper, ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Elle a voulu aller libérer les filles et elle s'est faite choper. Ah, peut-être qu'elle a réussi à les libérer, je ne sais pas. Et ben alors, pourquoi je peux pas invoquer la voiture? Allez hop, c'est parti, on va le rattraper, vous allez voir. Et c'est parti! Alors mon gars, où est-ce que t'es? On va mettre un petit coup de nitro et on va te rattraper en deux temps trois mouvements. On est en patrouille! Où est-ce qu'il est? On va essayer d'aller au bois. Parce que c'est bizarre, je ne le vois pas sur la route. Attendez. On va regarder sur la carte où il se trouve parce que là... Non. Bon bah écoutez, on va suivre la route, on va bien voir. On va peut-être le rattraper. Mais il court vraiment vite alors, hein, parce que là, quand même. Ma foi, on va bien voir ça. Alors, il y a de plus en plus d'ennemis sur la carte, si vous avez remarqué. Hein. Ça, c'est assez particulier. Allez, un petit coup de nitro, avec de la musique, ça fait plaisir. Toi. Voilà, ça c'est fait. Alors, on arrive normalement. Bonjour. Ah, mais t'es là? Eh ben alors, qu'est-ce qui t'a pris? Lars, comment elle va? Mal. Il faut qu'on l'amène au Killmaster. Au quoi? Ne t'inquiète pas, il a choisi ce nom pour éloigner les intrus. Oh. Et protéger son troupeau, d'araignées géantes. C'est un guérisseur puissant. Ok, amenons-lui Ophélia tout de suite. J'ai essayé. Des embuscades sur la route. Des sujets de Lion White. Je vais m'occuper de ces gars, t'as qu'à me suivre. Il faut faire vite. Eh ben ok, c'est parti, on va te dégager le passage. Ne t'inquiète pas pour ça. Si je ne peux pas t'arrêter, au moins je peux essayer de te protéger. Reste. Paraît qu'Ophélia a des ennuis. On est venu pour aider. C'est bon, vous êtes là tous? Ouh là, on a la belle armée. Ça va faire mal. Merde. Ils sont entraînés. C'est l'heure du pogo. Allez, go. Pas de perte d'énergie. On envoie nos troupes. Alors attendez, parce que moi je les confonds là dans l'eau. C'est bon. Un petit coup. Et voilà, parfait. On poursuit. Je m'excuse aussi si j'ai la voix un petit peu bizarre, je suis un petit peu enrhumé. Un de ces jours, j'essaierai ce truc là, le pogo. Et. Boum. Voilà, prenez-vous ça. On va tester aussi la nouvelle attaque. C'était. Boum! Voilà. Allez, on poursuit les gars. Allons voir le Killmaster.
Hé ! Laissez ce gars tranquille ! Oh là ! Oh là ! Zampère commode ! Verrouiller la cible ennemie. Ouais. Si tu fais ça, t'es mort. Oh, il tire. Dégagez. L'odeur du cuir brûlé. L'odeur du cuir brûlé, c'est dégueulasse. Ah, elle est bouillante. Faut que j'attende qu'elle refroidisse. Ah. Voilà. Et la dernière. Non, toujours pas. Bon, allez. Volez, petits oiseaux. Bim, mange-toi ça. Qu'est-ce que... Il a explosé ? Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, on y va ? Suivez-moi. Défendez cette position. Non. Voilà, allez, hop, venez avec moi. Et on poursuit l'ascension. Gauche ou droite ? On va à gauche. On va se les faire. Ça va être rapide. Plutôt mourir. Boum. Allez-y. Écrasez celui-ci. Voilà. Allez hop, on va passer par. Oh. Oh alors là les amis. Bam. Ils sont derrière nous. On est encerclés. Comment ça on est encerclés? Oula ouais. Défendez-vous les gars. Pauvre gars, lui il peut pas se défendre. Il a vraiment la classe ce gars, je trouve, avec ses longs cheveux. Il me fait penser à Bon Jovi un petit peu. C'est lui en fait, c'est sa présentation. Parce que les gardiens du métal c'est Ozzy Osbourne. Hein. Je sais pas pourquoi pas, ça peut très bien être Bon Jovi, même si c'est pas trop un métal non plus. Mais... Ça pourrait être plein de trucs en fait, ça pourrait être aussi. Peut bien s'occuper d'elle à Blade Edge. Ouais, Bon Jovi ça passe bien, je trouve. Je sais pas. Ça pourrait représenter plein de chanteurs, vous me direz. Plein de leaders de groupe. Vous suivez? Oui, vous suivez. Allez, mec, pourquoi on fait pas de pogo? Ah! Aïe! Ben voilà, pourquoi on fait pas de pogo? Oh la vache! Je suis complètement ensanglanté, là. Ah d'accord, ok, c'est comme Call of Duty. Les blessures guérissent. Regardez ça! J'ai plus une seule trace de sang. Pas mal. Vous venez? Allez. Putain, répugnant! Quel mutant répugnant, où ça? Ah là! Tiens, mangez-vous ça. Je peux parer des attaques ennemies. Ah! Je laisse Clémentine refroidir. Ouais, attends, on va attendre qu'elle refroidisse. Voilà, et le dernier. Parfait. Wow! Faire attention quand même. Ah non, je crois que j'en ai oublié une encore. Ah, elle est pas morte. Là, elle est morte. Boum! Suivez-moi! Ah, il peut se battre quand même! Il peut se battre. Bon! Mais où sont nos. Suivez-moi et gardez l'œil ouvert! Où est-ce qu'ils sont, mes potes? On te suit! Bah alors? Ils sont tous morts? Non! Aïe, ça va être plus compliqué d'un seul coup. Bon, bah écoutez, on va voir ça, hein, mais... Ça va être, à mon avis, plus compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, les pogos, c'est pour les tocards. Prochain de handbanger. Mais j'appuie sur E. Qu'est-ce que c'est? Wow, alors... Typique d'un des foudroyeurs atomiques. Ça tire de tous les côtés. Venez, à couvert. Oh, mince. Je suis trop près. Ah, raté. Hop là. À couvert. Voilà, toi t'es morte. Et toi? Également. Voilà, et lui il explose. Et alors elle. Danger devant. Aïe. Voilà. Et là, bim. Dégagé. Et t'arrêtes de nous tirer des flèches. J'adore l'attaque séisme. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Je trouve ça vraiment super stylé. Oh yeah.
C'est bon? On y est presque. Tout droit et on grimpe. Tiens bon, douce Lia. En chat. Voilà, une fois qu'il explose, c'est bon donc. Par contre, pourquoi il m'a demandé d'appuyer sur E? Tu veux que je la porte à ma main? Je t'en prie, continuons. D'accord, bon bah alors continuons. Oh oui! Nickel. Bon, c'est quoi ce bordel? Noble Killmaster, cette femme... Vous savez pas lire? On n'aime pas les visiteurs, ici. Mais elle se meurt. Et eux, alors, qu'est-ce qu'ils font là? Je vous en supplie, sauvez cette femme qui ne voulait que libérer ses sœurs de l'emprise du général Lion White. Hein, vous combattez Lion White? Fallait le dire tout de suite, je déteste ce trou duc. Voyons un peu. Un problème? J'aime pas qu'on pose des questions déjà. Est-ce qu'elle est morte? Pas encore, bientôt. C'est les cordes les plus grosses que j'ai. Vos araignées ne peuvent pas en tisser d'autres? Des plus grosses? Mes petites chéries? Non. La reine du métal est capable de tisser les cordes qu'il vous faut. Mais on va plus dans son antre et pourrait nous couper en deux avec ses dents, aspirer nos entrailles et pondre dans nos orbites. Moi, j'irai. Alors vous serez deux à mourir. C'est ça que tu veux? Je dois aller chercher ses cordes, Lita. Non, Lars, écoute. Tu dois la laisser partir. Ça te ferait plaisir, hein? Oh! Quoi? Donc ça veut dire qu'on va devoir aller dans l'antre de la reine du métal. Ça s'annonce intéressant. Sinon au passage j'ai trouvé à qui me faisait penser à part Bon Jovi, il me fait penser à Joey Tempest. Alors, si vous savez pas qui c'est, parce que c'est peut-être un groupe un peu vieux pour certains, c'est le chanteur du groupe Europe. Très bon groupe. Et voilà, je sais pas, il me fait penser un petit peu, même si Joey Tempest a les cheveux un peu plus bouclés que ça, mais enfin... ça reste un style un peu du genre. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Eh les gars, non. Vous allez vous engueuler toute la journée? C'est absurde. Qu'est-ce que je dois faire? Tiens bon, ouais, tiens bon. La carte. Mission en cours, tu es ici. D'accord, on doit aller tout là-bas, 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 là-bas. Ok, et on a 50 tribus de feu, donc ça suffira pas. Est-ce que je peux appeler la voiture d'ici? Ah bon, on dirait que oui. Et c'est parti! Oh oui, alors là... On va se faire plaisir. Bon bah écoutez, c'est parfait. Alors on va peut-être pas aller dans l'antre de l'arène... Maintenant, mais on va faire un petit tour, voir pour cette fin d'épisode. Je vais faire un petit tour... voir si j'aurais pas raté un petit peu des trucs, voir peut-être des quêtes secondaires aussi pour avoir un petit peu plus de tribus de feu. Alors, je vais retourner à un endroit que vous m'aviez dit. Alors, attendez, faut que je regarde sur la carte où est-ce que c'est. C'est... Ah ouais, alors, pour trouver où c'est, ça doit être par là, je dirais. Ouais, écoutez, on va revenir en arrière. Vous vous rappelez là où j'ai lancé la dernière mission secondaire? Là, apparemment, juste à côté, il y avait un dragon à libérer. Donc, je vais essayer d'aller voir ça. Parce que j'étais passé à côté, vous avez été très nombreux à me le dire. Voilà, c'était par cette route, il me semble. Ouais, c'était cette route dans le sens inverse, donc c'est parfait, on est sur la bonne voie. Boum. Et donc ce qu'on va faire, oui, effectivement, c'est qu'on va... essayer de voir pour ce dragon, quoi. On se promène tranquille. Puis peut-être qu'il a une autre quête secondaire pour nous, je sais pas. Ça. On ira voir juste après. C'était ici, là-haut, sur ce temple. Aïe, non! Bon, tant pis, on va y aller à pied. Alors, bonjour.
pont. Ah, c'était là. Je me suis arrêté un peu loin en fait. C'est pas grave. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous savez quelque chose? Je peux pas passer, génial. Ah, oh, purée, il va falloir que je fasse le grand tour. Par là. Voilà, je peux passer. Alors. Un dragon. Où ça? Oh, de l'eau, c'est bien fait. Un dragon à libérer, vous m'avez dit. Moi, je veux bien, mais... Mais où qu'il est? Pourtant, vous avez été nombreux à me le dire, c'est ça que je comprends pas, mais... Je le vois pas. Je cherche les fleurs. Je ne les vois pas. Je cherche une statue ou quelque chose, je ne la vois pas. Ah! Là. Ah, purée, il fallait la voir. Mon dieu! Alors... On dirait que ces cochonnes de démons SM ont collé un baillon à cette statue de dragon. Comment ça, aucune relique à proximité? Ah non, mais il fallait le... Ah, c'était... Voilà, comme ça. 2 sur 120, baillon. Libéré. Bah, parfait, voilà. Donc ça, c'est fait. Et on va rappeler la voiture parce qu'elle est un peu loin. Et je serais curieux d'aller voir ce qu'il y avait sous le pont, là. Donc on va aller voir ça pour cette fin d'épisode. Aïe. Go. J'ai regardé aussi en termes de progression du jeu, où est-ce qu'on en est. 12%, ça va, progresse petit à petit. Vous m'avez confirmé qu'apparemment j'étais sur un rythme peut-être un poil plus lent que la moyenne, mais que voilà, ça allait sûrement s'accélérer ensuite. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc, vous là, vous êtes qui? Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Alors on se fait griller la merguez, les gars? On a entendu dire que des éclaireurs ennemis allaient bientôt passer dans le coin. Alors on se cache. On va les prendre en embuscade. Et vous vous cachez... en faisant un grand feu? Hé, hey, t'es là pour critiquer ou pour nous aider, hein? Ben on va assister à l'embuscade, alors. Si vous avez de la place, je serais fier de combattre avec vous. Dans une embuscade, à l'ennemi et protège tes troupes. Personne. Ils vont pas tarder. C'est eux? Ils sont là. Bon bah. Ouais. Boum. On va les défoncer. Allez, écrasez-les. Oh. Défaite brutale. What? Pourquoi? Bon, on va recommencer la mission. Je vois personne. Ils vont pas tarder. Oh. Allez, on les défonce. Ah, mais eux sont... Ils sont hyper dangereux. Allez, 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 allez. Butez-les. Voilà. Et de 1. Est-ce que le deuxième est encore en vie? Non, je crois pas. Yeah! Victoire brutale et donc plus 25 tribus de feu. Ouais! Ouais! Ça, c'est chaud! Attaque méga fourbe des métalleux! Bon bah parfait. Trouve l'antre de la reine de métal. Ouais, ouais, ouais. Bah je pense qu'on va y aller du coup. On va s'y rendre. Alors, la petite voiture. D'ailleurs je crois qu'elle était à côté de moi, il n'y a pas besoin de la réinvoquer. Mais bon, c'est pas grave. C'est toujours tellement classe de jouer un petit peu de musique. Et donc nous sommes parti. On va garder l'œil voir s'il n'y a pas des trucs également à libérer sur, sur notre passage. Et et puis ben voilà, on va se rendre tranquillement. J'ai fait un rythme un peu comme vous m'avez proposé, c'est-à-dire faire une mission principale et essayer de voir un petit peu ce qu'il y avait de secondaire à faire. Dites-moi si ça vous plaît ou si vous voulez que je m'attarde plus sur les missions principales durant le prochain épisode. De toute façon, je pense que ça va être le cas étant donné que ça a l'air d'être un peu plus long et compliqué ce qui nous attend. Mais voilà, j'essaie de m'adapter à vos demandes. Alors bien sûr, après je peux pas non plus, je sais que certains voudraient que les épisodes soient un peu plus longs, mais entre 20 et 30 minutes pour un jeu de ce genre, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis ouais voilà, ça me semble bien tout ça, donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à me laisser vos avis, vos conseils si vous en avez, et puis
à laisser un petit gemme avant de partir. Et on se retrouvera prêt pour en découdre dans l'antre de la reine métal. C'est ça son nom, il me semble bien. Et qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, juste avant de se laisser, on va voir ça. Ah, une relique. On va peut-être débloquer un nouveau truc. Mais... c'est parti. Ces trucs seraient d'enfer dans ma piole. Wow, 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 qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un garage métal, vous pensez? Ça a l'air d'être encore un garage métal. Alors on en aurait débloqué un deuxième, pourquoi? Parce qu'on est assez loin de l'autre. Peut-être qu'il y a de nouvelles améliorations. On va voir ça avant de se laisser du coup, les amis. Surtout que j'ai récolté un petit peu de tribut de feu. Il y a peut-être moyen de s'acheter des trucs. Tu commences sérieusement à gonfler le gardien du métal. Oui, oui, c'est ça, allez. Qu'est-ce que t'as ici? Métal bruissant. Yes, faut prendre soin de ta tire. Elles sont bien plus grosses en vrai. Il y en a une nouvelle, mais... Lars Alford. Bon bah voilà. Attaque spéciale. J'ai deux. Voilà, ça c'est plus intéressant. Bombe électrique. Tease pour charger un ennemi dans les airs. Il explosera en touchant le sol. Eh bien ok. Et on va prendre l'aimant aussi. Oriente ZQSD vers le bas lorsque tu vises tes ennemis. Vise un ennemi, appuie sur... Tes éclairs, hein. Pourquoi c'est pas eux qui se bougeraient jusqu'à toi? On va voir ça. On a de nouvelles améliorations techniques, c'est plutôt sympa. Je vais essayer de tester ça juste avant de se laisser. On va sûrement croiser 2-3 bêtes, je pense. Alors, c'est toujours par là-bas, je suis dans la bonne direction. Ouais, c'est par là-bas. Let's go. La musique qui est tellement stylée. Des fois, j'ai envie juste de pas parler dans ce jeu, tellement je trouve classe. Qui apparaît. Et non, bah écoutez, on y arrive. Donc on va se laisser là, les amis, parce qu'après j'ai peur que ça déclenche une cinématique. Ouais. On va se laisser ici pour cet épisode, donc, en espérant qu'il vous ait plu. Et puis on se retrouve donc très très bientôt, c'est promis, pour l'épisode prochain. On ira voir donc ce qui se cache à l'intérieur de cette grande bâtisse qui apparemment serait très dangereuse, puisque personne n'en serait revenu vivant. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir regardé, et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.